إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sachez que le plus grand, un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les communautés en général et envers la communauté musulmane en particulier, il est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé les livres et nous concernant Al-Qur'an, de même qu'il a envoyé des envoyés, des prophètes, et nous a envoyé à nous, la communauté musulmane, le meilleur de ses prophètes, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala envoie les envoyés, les prophètes, afin qu'ils montrent la voie juste, la voie droite, celle qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, celle et l'unique qui mène les gens au paradis et à la félicité dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, durant tous les siècles, tous les millénaires, depuis Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal n'a cessé d'envoyer des envoyés, des prophètes, l'un, les uns après les autres, comme il nous en a informé azza wa jal dans le Coran lorsqu'il dit: Inna arsalna rusulana tatra ay mutatabi'a. Nous avons envoyé les prophètes les uns à la suite des autres. Thumma arsalna rusulana tatra. Puis nous avons envoyé les envoyés, les prophètes les uns à la suite des autres. Barakallahu fik. Et la période qui a eu lieu entre l'envoi de Isa alayhi salam et Muhammad alayhi salatu wassalam était une longue période. C'était une période très longue durant laquelle la religion de Moussa alayhi salam ainsi que la religion de Isa alayhi salam ont été modifiées, ont été falsifiées dans ces religions, ainsi que les livres, la Torah et l'évangile ont subi des modifications de la part des adeptes au fur et à mesure des siècles, au point que ceux qui étaient sur la vraie religion de Moussa alayhi salam et sur la vraie religion de Isa alayhi salam étaient très très peu, jusqu'à même disparaître. Ces gens ont carrément disparu. Et au temps de vers la période où le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé l'envoi de son envoyé, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque, les juifs et les chrétiens, parmi eux, aucun n'était comme était Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Ils étaient tous selon une religion qui a été modifiée et falsifiée. Qu'Allah nous en préserve. Et quant à la péninsule arabique,
les traces de, du prêche de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam étaient toujours présentes. Les gens étaient toujours selon ce que les savants appellent al-hanifiyatu samha, l'unicité pure, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer. La péninsule arabique avait encore des traces de cette prêche bénie, cette prêche qui est la seule, ou ce prêche qui est le seul à donner l'accès au paradis et à être épargné de l'enfer. Jusqu'à ce que une personne appelée Amr ibn Luhay al-Khuzai, qui était un des rois qui avait pour royaume la péninsule arabique, cet homme aimait l'adoration des idoles. C'était une chose qu'il appréciait. Et étant roi, il a ordonné à ceux qui étaient sous son commandement d'ordonner aux gens de faire de même et d'adorer les idoles, d'adorer les pierres, d'adorer les arbres, d'associer des divinités fausses avec Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de ce moment, ça a été le début de l'entrée du polythéisme dans la péninsule arabique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve et préserve al-tawhid qui est présent jusqu'à nos jours. L'adoration des idoles s'est propagée à une vitesse très rapide jusqu'à être apparue dans la plupart des maisons de la Mecque. Jusque même être apparue au sein même de la Kaaba, Baytullah al-Haram, la maison d'Allah sacrée, qui contenait 360 idoles. Chaque idole était adorée, une idole était adorée par jour. Il y avait sur le mont As-Safa et Al-Marwa des idoles appelées Nisaf, Naila et Hubel. Et aux alentours de la Mecque, il y avait des idoles qui étaient déposées appelées Al-Lat, Al-Uzza, Manat, Al-Khalasa. Autant d'idoles et de statues qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cette époque, il ne restait de ceux qui suivaient les vraies religions d'Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam, ainsi que de Isa, que des personnes très rares, et parmi eux, comme l'a cité le frère précédemment, Waraqa ibn Nawfal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a constaté cet état catastrophique dans lequel était le monde, et en particulier la péninsule arabique, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la religion des prophètes avant lui était quasiment inexistante. Et les gens étaient dans les profondeurs des ténèbres, dans les profondeurs de l'ignorance et dans les profondeurs du polythéisme. Le prophète alayhi salatu wa sallam est né l'année de l'éléphant, ce que les savants appellent l'année de l'éléphant. Pourquoi l'année de l'éléphant? Car à cette époque, le roi de l'Abyssinie a ordonné son émissaire qui était présent au Yémen d'aller détruire la Kaaba. Et cet émissaire s'est doté d'immenses éléphants, des éléphants énormes, une armée d'éléphants et une armée de soldats, et s'est dirigé vers la ville sacrée de la Mecque afin de détruire la Kaaba. Et les éléphants arrivaient à la limite de la terre sacrée, Hudud al-Haram, qui est délimitée jusqu'à nos jours, car la terre sacrée, ce n'est pas seulement la mosquée, mais la Mecque et ses alentours. Et lorsque ces éléphants sont arrivés à la limite
de la terre sacrée Al-Haram, ils se sont arrêtés et ont refusé de continuer leur chemin. C'est Allah Azza wa Jal qui les a stoppés. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ces éléphants de ne plus faire un pas. Et c'est alors qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyé des oiseaux, comme il nous en informe dans le Coran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers ceux qui avaient les éléphants? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas fait de leur ruse une chose vaine? Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Et il leur a envoyé des oiseaux par volée, tarmihim bihijaratin min sijil, qui leur jetaient des pierres d'argile. Et les savants citent que chaque oiseau avait en sa possession trois pierres, deux dans chacune de ses pattes, ou deux dans chaque, une dans chaque patte, et une sur son bec. Et lorsqu'ils jetaient les pierres sur les hommes, les soldats, les savants disent que la pierre entrait par la tête et ressortait par le derrière. Et les hommes tombaient raides morts. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est débarrassé de cette armée de soldats et a mis cette armée d'éléphants dans l'incapacité totale de pouvoir détruire la Kaaba. Car c'est un lieu sacré qu'Allah Azza wa Jal préserve avant tout. Et de tous ces soldats, le seul qui a survécu, c'est leur commandant, appelé Abraha. Allah Azza wa Jal lui a réservé un supplice particulier. Il a fait en sorte que son corps se décompose petit à petit et que ses membres tombent les uns à la suite des autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a grandi orphelin. Son père, Abdullah, est décédé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore né. Puis c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a pris en charge. Et Abdul Muttalib appréciait énormément le prophète alayhi salatu wassalam. Son cœur s'est énormément attaché à lui et l'a même élevé au-dessus de ses enfants. Il prenait soin de lui plus que de ses propres enfants. Puis, à l'âge de 4 ans, Abdul Muttalib est décédé. Et la tâche de s'occuper du prophète alayhi salatu wassalam a été confiée à son oncle Abu Talib, qui faisait partie des personnes éminentes de Quraysh, respectueuses, des personnes de valeur. Et Abu Talib, lui aussi, son cœur a aimé le prophète alayhi salatu wassalam et s'est attaché à lui, car il n'a vu de lui que du bien, que des bons comportements, que des belles paroles, des paroles vraies et justes, un comportement irréprochable. Comment ne pas aimer un enfant dont le comportement est similaire? Il l'a pris en charge jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam ait grandi et atteint l'âge de la puberté. Ensuite, Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, lui a proposé de partir dans la région du Shem pour un but commercial, pour y vendre et acheter. Et tout cela sur le compte de Khadija radiallahu ta'ala anha. Le prophète alayhi salatu wassalam est parti et est revenu avec d'énormes profits. Et Khadija radiallahu anha a été affectée par cela et a énormément apprécié à la fois l'honnêteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi la bénédiction qui était avec lui. Car pour son premier voyage, il est revenu avec des profits innombrables.
elle lui a alors proposé de se marier avec lui, et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a accepté sa demande. Puis est arrivée la période de la révélation, lorsque le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam détestait le polythéisme dans lequel était son peuple et allait s'abriter et se recueillir dans la grotte de Hira. Et c'est ainsi que lui est venue la révélation, comme vous l'a expliqué le frère durant la conférence précédente. Et le premier des hommes à avoir cru au prophète alayhi salatu wassalam est Abu Bakr radiallahu anhu, selon l'explication que vous a donné le frère, après que le prophète alayhi salatu wassalam est devenu rasoul et non nabi, car quand il était nabi, le premier des hommes à s'être converti et à croire en lui alayhi salam était Waraqa ibn Nawfal. Et parmi les petits, parmi les enfants, le premier qui a cru au prophète alayhi sallam était Ali ibn Abi Talib, son cousin. La première des femmes à avoir cru en lui alayhi sallam était Khadija radiallahu anha. Et le premier esclave à avoir cru au prophète alayhi sallam était Zayd ibn Haritha radiallahu anha, qui était l'esclave et le serviteur du prophète alayhi sallam. Et ainsi de suite, les gens embrassaient l'islam les uns après les autres, mais tout cela bien sûr dans la discrétion la plus complète. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il sortait pour aller prier dans la mosquée sacrée de la Mecque, ou aller pour faire at-tawaf, les tourner autour de la Kaaba, les polythéistes le menaçaient, voire même le frappaient. Une fois, ils ont même frappé le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui est venu et a séparé le prophète alayhi salatu wassalam et l'a enlevé des mains de ses polythéistes. Une autre fois, le prophète alayhi salatu wassalam était en train de prier devant la Kaaba et Abu Jahl, que la malédiction d'Allah soit sur lui, s'était rappelé que la veille, une chamelle avait été égorgée et que ses boyaux étaient déposés dans un endroit. Il a alors dit, qui parmi vous peut aller apporter les boyaux de la chamelle tuée la veille et les verser sur cet homme, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation, les boyaux de cette chamelle ont été versés sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et un compagnon qui assistait à la scène, impuissant, est parti prévenir sa fille Fatima, radiallahu anha, qui s'est empressée d'aller à la rencontre de son père, sallallahu alayhi wa sallam, et d'enlever de son dos tous ses boyaux et ses restes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a terminé sa prière. Et les polythéistes, qui étaient fiers de leur acte, ricanaient, rigolaient entre eux et se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant terminé sa prière, il s'est levé, s'est tourné vers eux et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Il a invoqué contre 7 personnes, comme cela est cité dans Sahih al-Bukhari. Et la première qu'il a citée, il a dit « Allahumma alayka bi Abi Jahl ». Et le compagnon qui a assisté à cette scène a juré que lors de la bataille de Badr, la première bataille de l'islam, les 7 noms envers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué contre eux ont tous péri dans cette bataille. Ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de son envoyé alayhi salatu wassalam. Le prêche de l'islam, la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était ainsi secrète durant 4 années. Et la 4e année, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Proclame
ce qui t'a été ordonné et détourne-toi des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé un autre verset. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Et préviens ta famille la plus proche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois ces versets révélés, s'est empressé d'aller vers le mont As-Safa et appeler les gens à se rassembler, et les a appelés à l'islam, les a appelés par le nom de leur père, a dit Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abd Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abd al-Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatima bint Muhammad, anqidhi nafsiki minan nar. Fa inni la amliku lakum min Allah shay'a. Il a alors proclamé et a dit ô fils de Hashim, préservez vos personnes du feu. Ô fils de Abd al-Muttalib, ô enfant de Abd al-Muttalib, préservez vos personnes du feu. Ô Fatima, fille de Muhammad, préserve ta personne du feu, car je ne peux rien pour vous. Car je ne peux rien pour vous. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé l'islam à ciel ouvert sur le mont As-Safa. Et son oncle Abu Lahab, que la malédiction d'Allah soit sur lui, lui a dit, tu nous as réunis pour nous dire cela, que tu connaisses la perte pour les chaque jour qui viennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset Tabbat yada abi lahabin wa tab. Et lors de la cinquième année, après la révélation du prophète alayhi salatu wassalam, son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib s'est converti à l'islam. Il était connu pour être un homme courageux, un homme vaillant, un homme d'une force physique impressionnante. Et quelques jours après, c'est Omar radiallahu anhu qui était connu pour sa dureté, connu pour sa force, connu pour son caractère, qui lui aussi s'est converti à l'islam, radiallahu anhuma. Et l'histoire de la conversion de Omar ibn al-Khattab, il est rentré une fois chez lui et a constaté que sa femme et sa sœur s'étaient converties à l'islam, et a trouvé chez lui des feuilles où étaient inscrits des versets du Coran, entre autres des versets de Sourate Taha. Il a frappé sa sœur et a demandé qu'elle lui donne ces feuilles. Elle a refusé et lui a dit, tu es impur et le Coran ne doit être touché que par des gens purs. Omar radiallahu anhu est parti se laver, a pris ses feuilles et a eu la curiosité de lire. Et il a lu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il dit, que de noms majestueux et complets. Puis, il a lu le début de Sourate Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, je suis Allah, moi le seul qui mérite d'être adoré. Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, adore-moi wa aqimi as-salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel. Et Omar radiallahu anhu est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était chez lui en compagnie de Hamza radiallahu anhu. Et lorsqu'un compagnon a vu que c'était Omar, il a eu peur et a prévenu Hamza que Omar frappait à la porte. Et Hamza radiallahu anhu a dit, ouvre-lui la porte. S'il vient pour nous annoncer une bonne nouvelle, nous l'acceptons. Et s'il vient pour nous faire du mal, nous le tuerons avec sa propre épée. Et Omar radiallahu anhu est rentré et a proclamé son islam devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et la conversion de Omar radiallahu anhu était un dénouement pour les musulmans,
car il pouvait enfin prier aux alentours de la Mecque, devant la Kaaba, comme le rapporte Abdullah ibn Umar radiallahu an, et dit que nous ne pouvions pas prier au pied de la Kaaba avant que Umar radiallahu anhu ne se convertisse. Puis, les choses sont devenues de plus en plus difficiles, plus précisément envers ceux qui n'avaient pas de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était protégé par son oncle Abu Talib. Abu Bakr radiallahu anhu était protégé par son peuple. Quant aux autres qui n'avaient pas de protection, ils subissaient des représailles et des supplices de la part des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ses compagnons subir de tels supplices, leur a ordonné d'émigrer vers l'Abyssinie, car il y a là-bas un roi juste et là-bas les gens ne sont pas offensés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné de démigrer vers ce pays, l'Abyssinie. 12 hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis et 4 femmes. Parmi les hommes, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, accompagné de sa femme, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se prénomme Ruqayya radiallahu anha, a accompagné Uthman radiallahu anhu, son mari, lors de la première émigration vers l'Abyssinie. Et là-bas, ils étaient en sécurité, ils n'étaient pas offensés, ils pouvaient appliquer leur religion en toute sécurité, malgré que ce soit un pays chrétien, gouverné par un roi chrétien, mais les conditions de vie là-bas étaient beaucoup plus agréables et douces qu'à la Mecque. Et une fois restés là-bas un certain temps, ils ont entendu que les polythéistes de la Mecque se sont convertis à l'islam et que les choses se sont énormément améliorées à la Mecque. Ils sont alors retournés et arrivés à proximité de Mecca, ils ont constaté que c'était une fausse information. Certains sont rentrés parmi Abdullah ibn Mas'ud, d'autres sont retournés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de retourner en Abyssinie une seconde fois. Et les compagnons radiallahu anhum étaient ainsi. Ils ne faisaient rien sans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans la permission de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous rappelle le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui désobéissent à ses ordres, que ne les touche une turpitude. Et les savants ont dit dans ce verset الْفِتْنَةَ أَيَ الشِّرْكِ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ou bien alors que les atteigne un châtiment douloureux. Les compagnons radiallahu anhum, lorsqu'ils entreprenaient quelque chose, si petite soit-elle, ne le faisaient qu'avec la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a alors autorisé de retourner en Abyssinie une seconde fois. Et Quraysh, les polythéistes de Quraysh, lorsqu'ils ont appris cela, ont décidé d'envoyer deux de leurs émissaires en Abyssinie afin de convaincre le roi là-bas et les gens là-bas de leur céder ces personnes et de les expulser de ce pays. Ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont essayé de prendre des contacts avec les hautes autorités, mais en vain. Et Quraysh les avait envoyés avec de l'argent, avec des cadeaux, des présents, afin qu'ils puissent être entendus. Ils ont accepté. Et ces deux émissaires ont dit, pour allumer la mèche, entre guillemets, car ils savaient que l'Abyssinie était un pays ou une région chrétienne, ont dit, ces gens que vous avez sous votre protection, que vous mettez sous votre protection, disent que Isa est un serviteur d'Allah. Ils ont alors convoqué le roi d'Abyssinie
Al-Najashi a convoqué Ja'far et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur ont dit, que dites-vous sur Isa alayhi salam? Et c'est alors que Ja'far radiallahu anhu a récité les versets de Surat Maryam. Kaf ha ya insad. La Surat wa Allah subhanahu wa ta'ala raconte comment Maryam alayhi salam a mis au monde Isa, comment cela s'est passé, etc. Al-Najashi est resté stupéfait et a dit que cela était en totale conformité avec ce que nous savons, et ces paroles ainsi que les paroles contenues dans la Taurat ne viennent que d'une seule source, c'est-à-dire la source divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à Al-Najashi de se convertir à l'islam. Ce roi de l'Abyssinie a embrassé l'islam secrètement, car son peuple était chrétien, mais lui, radiallahu anhu, était musulman et s'est converti à l'islam. Il n'est pas considéré comme un compagnon, car il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants le considèrent parmi les kibar tabi'in, parmi les plus grands des tabi'in. Et lorsqu'ils le citent, ils disent radiallahu anhu, et le prophète alayhi wa sallam, lorsque Najashi est décédé, a prié sur lui la prière de l'absent. Les deux émissaires de Quraysh sont alors retournés bredouilles, n'ont pas réussi à atteindre leur but, n'ont pas réussi à convaincre le roi d'Abyssinie de leur céder ces musulmans qui sont émigrés vers lui. Et en arrivant à la Mecque, les choses se sont encore plus compliquées. Et Quraysh avait une rancune qui a agrandi et ont décidé de se réunir et de faire un blocus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur sa famille, sur les enfants de Abdul Muttalib, sur les enfants de Hashim. Ils se sont concertés et ont écrit un pacte qu'ils ont accroché sur la Kaaba, disant qu'il est interdit à quiconque de marier sa fille à l'une de ces personnes, qu'il est interdit à quiconque de faire quelque transaction commerciale que ce soit avec ces personnes, qu'il est interdit de leur parler, qu'il est interdit de leur faire parvenir de l'eau et de la nourriture. Ils ont décidé de faire un blocus total et de retrancher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ainsi que sa famille, même les mécréants parmi eux, de les retrancher dans un endroit et de faire sur eux un embargo. Cela a duré 3 ans. D'autres savants ont dit que cela a duré 2 années. Et des personnes douées de raison parmi Quraysh, après cette période, se sont rendues compte que cela ne se faisait pas, qu'ils châtiaient les enfants de leurs oncles, qu'ils leur faisaient subir des choses inhumaines, et ont décidé de rompre ce pacte et de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir de l'endroit où il était retranché, à Shi'ab. Et la 10e année de l'Hégire, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, non ? Et la 10e année de la prophétie, après la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, son oncle, est décédé. Et quelques jours après, s'en est suivi la mort de Khadija, sa femme, radiallahu ta'ala anha. Abu Talib, qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les représailles, contre les menaces de Quraysh, et Khadija, radiallahu anha, qui l'aidait, le soutenait autant qu'elle le pouvait. Et cela a fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était extrêmement attristé, au point que les savants ont appelé cette année Am al-Huzn, l'année de la tristesse, l'année où à la fois l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa femme, les deux personnes qui le soutenaient le plus au monde, l'ont quitté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été énormément attristé.
Et ce qui l'a encore, ce qui l'a le plus attristé ou a accru son attristement, c'est que peu avant la mort de son oncle Abu Talib, Quraysh, des émissaires de Quraysh et parmi eux Abu Jahl, sont venus vers l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, et lui ont dit: parle à ton neveu ou cède-le-nous, car il insulte nos statues, il insulte nos divinités, il insulte notre religion, il a mis ou il a cassé tous nos rêves, il a fait en sorte que tous nos projets ne soient pas concrétisés. Dis-lui s'il désire qu'on lui donne les pouvoirs les plus forts, que nous lui donnons parmi nos femmes pour se marier les plus belles, nous lui donnerons l'argent qu'il voudra. Nous mettrons en œuvre tout ce que nous avons en notre possibilité pour satisfaire toutes ces demandes. Et Abu Talib a parlé à son neveu et a dit au Muhammad: Quraysh est venu vers moi, il m'a proposé telle chose et telle chose. Ils m'ont proposé de te donner l'argent que tu voudras, le pouvoir que tu voudras, les femmes que tu voudras. Ils ne te demandent qu'une seule chose, c'est d'arrêter d'appeler à la chose à laquelle tu appelles. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sa réponse célèbre. Il a dit à son oncle: si il mettait le soleil à ma droite, la lune à ma gauche, pour que je délaisse cette chose, je ne la délaisserai jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus que jamais convaincu et plus que jamais décidé d'aller jusqu'au bout de la mission que lui avait accordée Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Talib, lorsqu'il a vu ce courage et cette ferveur de son neveu, lui a dit: continue, continue dans le chemin dans lequel tu es, et je serai là pour te protéger tant que je serai toujours vivant. Et Quraysh lui ont même proposé de le guérir, car pour eux, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait était une maladie de l'âme. Et pour eux, c'était une maladie qui se soignait, et ont proposé leurs soins au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous rappelle l'histoire qui a lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Dhimad, qui était connu pour guérir les maladies de l'âme, les maladies psychiques de l'être humain. Il lui a dit, Dhimad a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai entendu que tu étais atteint de cette maladie. Sache que je fais partie des personnes qui savent s'y prendre avec ce genre de maladie et les guérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhiri khutbatil haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par khutbatul haja. Et Dhimad est resté stupéfait. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont énormément plu. Et il a dit: j'ai entendu les paroles des sorciers, j'ai entendu les paroles des astrologues, j'ai entendu les paroles des poètes, mais des paroles comme celles-ci, je ne les ai jamais entendues. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter encore une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété encore une fois: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Et Dhimad a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répéter une troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminé d'avoir cité pour la troisième fois khutbat al-hajah, Dhimad a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de tendre sa main afin d'attester ou de se convertir, de proclamer son islam au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, une fois, lorsque Abu Talib est décédé, ainsi que la femme Khadija, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, sont décédés, et que les choses se sont compliquées à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque et s'est dirigé vers Taif, la ville de Taif.
afin d'y appeler les gens là-bas, en espérant qu'ils l'écoutent, qu'ils embrassent l'islam et qu'ils soient pour lui un soutien, qu'ils le soutiennent contre l'oppression qu'avaient les polythéistes envers lui. Et le prophète alayhi salam est sorti accompagné de Zayd ibn Haritha, son esclave et son serviteur, est sorti vers la ville de Taïf afin d'y appeler les gens à l'islam. Le prophète alayhi salam y est resté 10 jours, tentant de les appeler, essayant de les rencontrer, faisant tout son possible pour que son prêche et ses paroles soient écoutées et surtout acceptées. Mais en vain, il avait en face de lui que des personnes qui l'insultaient, des personnes qui le traitaient de menteur, de sorcier, de poète, etc., etc. Ils ont même envoyé leurs enfants, les gens de Taïf ont envoyé leurs enfants afin qu'ils jettent des pierres sur le prophète alayhi salatu wassalam et de l'expulser ainsi. Ils ont blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa cheville, et Zayd ibn Haritha, qui était le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'accompagner dans cette excursion, essayait tant que possible de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé alors de retourner à la Mecque, et sur son chemin, certains savants ont dit qu'il a prié la prière du Fajr. D'autres savants ont dit qu'il a prié la prière de la nuit, Salat al-Layl, ou Qiyam al-Layl. Le prophète Hassan a prié à voix haute et des djinns ont entendu cette récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé قُلْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, قُلْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Et ces djinns ont dit, nous avons entendu un Coran étrange, يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ, qui guide vers le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aussi un autre verset lorsqu'il dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وإلى صراط مستقيم وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى révélé à son prophète صلى الله عليه وسلم, et lorsque un groupe de djinns ont entendu ta lecture, la lecture du Coran, ils ont assisté et ont dit فَقَالُوا أَنْسِتُوا, écoutez la lecture. Ils ont écouté la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a terminé sa lecture, ils sont retournés vers leur peuple de djinn, afin de les avertir. Et ils ont dit, ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa, qui vient rendre véridique les livres qui sont venus avant, un livre qui guide vers la vérité et vers le droit chemin. Ô notre peuple, répondez à l'appel à l'appeleur qui appelle au nom d'Allah, et croyez en lui, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et croyez en lui, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera alors vos péchés et vous préservera d'un châtiment douloureux. Et celui qui ne répond pas à l'appeleur d'Allah, et celui qui ne répond pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas invincible sur terre, et il n'aura sur cette terre aucune personne pour le soutenir. Et ces personnes, oulaïka fi dhalalin mubin, elles seront dans un profond égarement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait à la fois les êtres humains
mais prêchait aussi les djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa route vers la Mecque. Et Zayd ibn Haritha lui a dit: ô envoyé d'Allah, pourquoi retournes-tu vers un peuple qui t'a expulsé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ya Zayd, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte de nous ouvrir des issues et des portes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des personnes vers Al-Mut'im ibn Adi, qui était mécréant, qui n'était pas musulman, mais qui faisait partie des personnes respectueuses de Quraysh. Et malgré qu'il n'était pas musulman, il avait les principes qu'avaient les Arabes, de ne pas refuser l'aide de celui qui les sollicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des personnes vers Mut'im ibn Adi, afin qu'il protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son entrée à la Mecque. Et le Mut'im a répondu favorablement à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'est armé, lui et ses enfants, et a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est rentré à la Mecque, l'a protégé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié au pied de la Kaaba et lorsqu'il a fait ses circumambulations, la tawaf autour de la Kaaba. Mais la situation était toujours aussi difficile. Et l'oppression des polythéistes était toujours aussi grande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait des occasions, des événements et des mawasim, et entre autres la période du Hajj, où des caravanes venaient et prenaient pour rendez-vous la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait de ces événements, de ces moments, pour appeler à l'islam, pour prêcher l'islam, pour appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer que lui seul, car c'est lui seul subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Et lors de son prêche, Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivait et disait aux gens: ne l'écoutez pas, n'écoutez pas ses paroles, ne le suivez pas, c'est un menteur. Et les gens, lorsqu'ils entendaient ces paroles de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient et refusaient d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui, et disaient: comment croire en toi alors que les gens de ta famille, ceux qui te connaissent le mieux, disent de toi que tu es un menteur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas découragé et a continué sa prêche, a continué à rencontrer le plus de monde possible, à leur exposer l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à leur réciter les versets du Coran, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise leur cœur et qu'ils acceptent son prêche. Et alhamdulillah, des personnes de Al-Khazraj, des personnes de Médine, ont écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont écouté sa récitation des versets du Coran et sont tombés sous le charme de ces belles paroles qui ne révèlent que la vérité, ne disent que du bien, n'appellent qu'à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont rappelés une chose qui leur avait été dite à Médine, car à Médine ils étaient en conflit avec le peuple juif. Le peuple juif les menaçait les gens de Médine, et leur disait qu'un envoyé, un prophète, va bientôt arriver, et nous vous combattrons, et il sera à nos côtés, c'est-à-dire aux côtés du peuple juif. Et ces personnes de Médine, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont rappelés la parole de ces juifs et ont dit que cette personne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette personne dont nous a informé les juifs, prenons-le comme allié avant qu'eux ne le prennent comme allié. Ils ont alors accepté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont convertis à l'islam et sont retournés à Médine pour prêcher et propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont partis
à Médine ont prêché et les gens de Médine ont accepté cet appel. Beaucoup parmi eux se sont convertis à l'islam. Et l'année suivante, au même moment de l'année, la période du Hajj, des personnes encore plus nombreuses sont venues de Médine, musulmanes, et ont décidé de faire le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont promis de le soutenir, de le protéger s'il vient chez eux et de combattre s'il le faut pour le sauver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait ce moment depuis longtemps. Il attendait ce moment depuis longtemps. Il attendait cette ouverture, cette facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui apporterait. Il a alors autorisé à ses compagnons d'émigrer vers Médine. Ses compagnons ont émigré vers Médine, sauf Abu Bakr et Ali radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas se précipiter. Et comme je vous ai dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient une chose qu'après sa permission. Et Abu Bakr radiallahu anhu a voulu émigrer vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La ta'jal, ne te précipite pas. » Il est resté en obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali ibn Abi Talib, alors que la situation était de plus en plus critique à la Mecque, l'oppression de plus en plus forte et de plus en plus douloureuse. Jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a alors informé Abu Bakr radiallahu anhu, qui a fait en sorte de se préparer, de préparer les montures et les provisions pour pouvoir accomplir cette émigration dans de bonnes conditions. Et à ce moment, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé son envoyé d'Allah, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer, les polythéistes de Quraysh se sont réunis dans la maison de la concertation, une maison qu'ils prenaient pour se concerter sur des choses importantes. Et durant cette réunion, personne n'a manqué au rendez-vous. Ils se sont réunis car ils devaient statuer sur le sort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne voulaient pas le laisser partir, rejoindre ses compagnons, de peur qu'il ne se renforce là-bas et ne soit pour eux une menace par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé de cette concertation et a dit comme cela est dans Sourat Anfal: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et lorsque les mécréants ont rusé contre toi, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ, afin de t'emprisonner, أَوْ يَقْتُلُوكَ, ou bien de te tuer, أَوْ يُخْرِجُوكَ, ou bien de t'expulser. وَيَمْكُرُونَ, ils rusent. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, et Allah ruse. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des ruseurs. Ils ont alors décidé soit de l'emprisonner. Certains ont dit il faut l'emprisonner et le laisser mourir dans sa cellule. D'autres ont dit tuez-le et débarrassez-vous ainsi de lui. Et d'autres ont dit expulsez-le, laissez-le partir, qu'il nous quitte. Et Abu Jahl, que la malédiction d'Allah soit sur lui, a donné une idée et a dit il faut le tuer. Mais comment le tuer? Prenons un jeune qui a une condition physique irréprochable, connu pour sa force et son courage. Prenons un jeune de chaque tribu et donnons-leur une épée à chacun et qu'il tue Muhammad d'un seul coup d'épée, comme si c'était un seul homme qui le tuait. Ainsi Quraysh ne pourra pas vous combattre et ne pourra pas vous créer des problèmes, car chacune de ces tribus serait concernée par ce meurtre. Et un homme âgé qui présidait presque cette concertation a approuvé cette proposition de Abu Jahl. Et cet homme n'était que Iblis, la'natullahi alayhi. Iblis qui est venu en personne sous
l'apparence d'un être humain pour assister à cette concertation et valider la vie d'Abu Jahl, qu'Allah, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Ils ont alors décidé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali ibn Abi Talib de dormir à sa place. Et lorsque les polythéistes ont encerclé la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en attendant sa sortie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la porte, est sorti et a jeté sur la tête de ces polythéistes du sable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ces polythéistes ne voient pas le prophète alayhi salatu wasalam sortir. Allah subhanahu wa ta'ala les a aveuglés, comme il nous en informe dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti marchant devant eux sans que eux ne le voient. Il est allé à la rencontre d'Abu Bakr, car il s'était mis d'accord sur un endroit où ils devaient se rencontrer, et ont ensuite pris la direction de Ghar al-Thawr, la grotte de Thawr, qui est située au sud de la Mecque. Et lorsque les polythéistes se sont rendus compte que ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dormait à sa place, mais Ali ibn Abi Talib, ils ont alors eu une rancœur, comme jamais ils n'en ont eu, et ont proclamé une chasse à l'homme, comme jamais n'a été proclamée, ont mis à disposition de tout le monde les chevaux qu'ils voulaient, l'argent qu'ils voulaient, et ont promis à celui qui apportait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vivant ou mort, de lui donner la plus grande des récompenses, qui est 100 chamelles. Et les gens se sont mis alors à la recherche et à la poursuite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhuma, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr se sont réfugiés dans Ghar al-Thawr, dans la grotte de Thawr, et ils sont restés 3 jours en attendant que les choses s'apaisent et qu'ils soient entre guillemets oubliés ou délaissés de Quraysh. Et Asma bint Abi Bakr radiallahu anha venait leur apporter de la nourriture, leur apporter de l'eau, leur apportait du lait, ainsi de suite. Après ces 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr avait donné rendez-vous à celui qui avait en sa possession les montures et ont pris la direction de Médine. Et les recherches étaient tellement intenses que les polythéistes de la Mecque n'ont délaissé quasiment aucun endroit. Ils ont cherché absolument partout, ont demandé à absolument tout le monde s'ils avaient vu ou s'ils savaient quoi que ce soit. Ils sont même allés au pied de cette grotte, et Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il les a vus, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regardait à ses pieds, il nous verra au envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le troisième? Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset, illa tansuruh faqad nasarahu Allah, si vous ne lui donnez pas victoire, Allah lui donnera la victoire. Iz akhrajahu alladhina kafaru thani athnain. Lorsque les mécréants l'ont expulsé et qu'ils étaient 2, thani athnain iz huma fil ghar, lorsqu'ils étaient dans la tombe, dans la grotte, iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Et lorsqu'il a dit à son compagnon, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Abu Bakr, la tahzan inna Allah ma'ana, ne sois pas attristé, car Allah est avec nous. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur lui la quiétude et la sérénité. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Il l'a aidé grâce ou par l'intermédiaire de soldats que vous ne voyez pas, c'est-à-dire des anges. وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Et a fait en sorte que la parole des mécréants soit la plus basse. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Et la parole d'Allah est la plus haute. Wallahu azizun hakim. Et Allah est le tout puissant et le très sage. Ils sont alors partis à Médine, se sont dirigés vers Médine et ont ainsi fait l'hijra ila al-Madina.
une phase de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je laisse à notre frère Sidati qui prendra la suite de ces conférences, inshallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la période mécoise, s'est contenté d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, et surtout d'appeler les gens à patienter sur les supplices et les châtiments auxquels ils pouvaient être exposés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai cité précédemment, ainsi que ses compagnons radiallahu anhum, ont été châtiés durement, et certains parmi eux ont même été tués, comme ont été tués le père et la mère de Ammar ibn Yasir. La famille de Yasir a été châtiée par les polythéistes. Le père Yasir, la mère Soumaya, Ammar et leur fils Ammar ibn Yasir ont été torturés par les polythéistes de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'eux et leur a conseillé de patienter. Il leur a dit « Sabran, ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah » « Patientez, ô famille de Yasir, car votre rendez-vous est au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait autant qu'il le pouvait de réconforter ses compagnons radiallahu anhum afin qu'ils résistent au châtiment qu'ils subissaient, et Abu Jahl, que la malédiction d'Allah soit sur lui, est venu dans l'endroit où était châtiée la famille de Yasir et a tué la femme, la mère Soumaya, Ammar, l'a tué d'un coup d'épée qu'il a entré fi farjiha, qu'il a entré devant elle. De même que Bilal radiallahu anhu a été châtié, il a été exposé au soleil aride de la Mecque, il a été posé sur lui des rochers et il lui a été demandé de renier la religion d'Allah, de renier le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et unique divinité qui mérite d'être adorée. Mais radiallahu anhu, Bilal était le seul qui n'avait pas cédé. Les autres compagnons ont cédé et ont dit aux polythéistes ce qu'ils voulaient entendre. Mais cela n'est pas un reproche, que l'on leur fait, car cela est justifié. Allah subhanahu wa ta'ala a dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est plein de foi. Celui qui est contraint par des supplices, par des châtiments, voire par la mort, de dire des paroles de mécréance, sachant que son cœur est plein de foi, ses paroles ne seront pas retenues contre lui. Mais Bilal radiallahu anhu savait qu'il pouvait dire aux mécréants ce qu'il voulait entendre, mais ne voulait pas, et ne cessait de dire « Ahadun ahad », le seul, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes ont attaché une corde au cou de Bilal radiallahu anhu et ont ordonné à leurs enfants de le traîner dans les rues de la Mecque. Mais malgré cela, Bilal radiallahu anhu a patienté sur ses supplices et n'a pas cédé à cette tentation. Et avant la hijra, avant l'émigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra et le Mi'raj. L'Isra vers la mosquée de Jérusalem et le Mi'raj vers les cieux, la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné ou lui a prescrit les prières. Et après cette ascension, les polythéistes ont encore accentué leur rancœur sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont traité cette fois-ci de menteur. On dit, comment un homme peut-il aller jusqu'à Jérusalem, monter au ciel et revenir tout cela en une nuit? Cela est impossible. Et on traitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur malgré les signes qu'il leur avait donnés et la caravane qu'il leur avait décrite. Et qu'il avait dit au prophète, leur avait informé du moment où elle allait arriver. Ainsi était la période mécoise, une période pleine de tentations, pleine de supplices, une période où la foi des musulmans était mise à l'épreuve à chaque moment,
une période où l'oppression était la plus forte. L'oppression était la plus forte. Les musulmans n'ont jamais été oppressés comme ils n'ont été oppressés pendant la période mécoise. Mais malgré cela, ils ont patienté et ont pensé à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur réservait au paradis. Et c'est ainsi que se termine la conférence. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.